la saison des confirmations aussi en ce moment. Hein. C'est pas de... J'ai confirmé un de ces derniers dimanches, là, le 47 jeunes à la cathédrale, et puis un autre dimanche, 14 jeunes, donc de l'espace Plein-et-Lac. Les 47 étant de l'agglomération troyenne. Voilà, alors c'est... Pour moi, la confirmation, de toute façon, c'est une fête magnifique. Et ça s'est révélé dans les célébrations, de toute façon. Parce que, pourquoi c'est magnifique? C'est parce qu'on a là des jeunes qui s'engagent et qui savent un peu pourquoi ils s'engagent. Ils m'écrivent une lettre pour me demander à être confirmé. Et dans ces lettres, cette lettre, ils le disent. Pourquoi ils s'engagent? Ils disent ce qu'ils attendent de cette démarche, ce qu'ils espèrent que ça va leur apporter comme ouverture. Et c'est très beau. Et alors, on soigne la liturgie aussi. On sent une belle communion. La cathédrale était pleine pour les 47. Et tout le monde est pris par ça. Et c'est beau de voir des jeunes qui s'engagent, justement, en fait, dans une époque où beaucoup d'anciens s'endorment. En fait, les jeunes, ils prennent le relais. Bien sûr, pas tous, il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Mais enfin, ceux qui sont là, moi, je pense qu'ils seront des pionniers, des gars sur lesquels on pourra, et des filles sur lesquelles on pourra construire quelque chose.